Dans le chapitre 26 de Genèse, on retrouve Isaac avec Rebecca qui sont en Gérard. Ils ont dit à tout le monde, Isaac a dit à tout le monde qu'elle est sa sœur et pas son épouse. Et ils ont agi de cette façon en public. Mais dès le moment qu'ils étaient en privé, donc ils ont agi comme un couple marié. Effectivement, le roi avait envoyé des espions et ils ont vu qu'il avait des rapports sexuels avec son épouse. C'est normal parce qu'ils étaient mariés. Mais ça a attiré l'attention du roi. C'est une question que je retrouve aussi, cette incohérence entre ce que nous disons en public et ce que nous faisons en privé, chez nous les chrétiens. Même si les choses qu'on a à faire sont vraiment légitimes, le problème n'est pas la légitimité de ce qu'on doit faire, mais c'est plutôt la cohérence entre ce que nous disons aux autres et ce que nous faisons. Ils doivent être légitimes, bien sûr, mais il faut être aussi cohérent dans tout le temps.